Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver pour aujourd'hui un nouveau match dans des chiffres et des lettres. À ma gauche se trouve notre champion, troisième victoire, 550 euros dans 5 cagnottes, qui nous a fait un perfect lors de la dernière émission. Bonjour History. Et bonjour Lolo, comment ça va? Eh bien écoute, très bien, nouvelle voix. Ça s'entend bien. C'est vrai, hein. Petit achat que j'ai fait avec l'argent que tu m'as gentiment donné. Ouais, avec un million et le reste, ouais, il y en a un peu beaucoup. Voilà. Juste pour un casque. Bon, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Bah écoute, je suis en forme, après on verra bien comment ça va se passer, puisque j'arrête pas de recevoir des menaces de l'autre côté, donc... Alors oui, l'autre côté, il a un prénom, il a un nom, il s'appelle Ficani. Bonjour Ficani. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, toi? Parfaitement bien. Alors, il me semble que c'est ta première émission sur la chaîne. Ouais. Tous les souvenirs que j'ai. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bon moi je te connais bien, tu fais du Fort Boyard sur Minecraft. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ta part? Je m'appelle Ficani, du coup je fais des émissions et j'aime bien Fort Boyard. Première émission que j'ai regardée, c'est vers 2013. Et voilà, niveau émission télé, et puis moi je préférais, c'est The Nightmare 2, ça vous... D'accord, eh ben merci. C'était très, très long. Non, c'est parfait, c'est une belle présentation, écoute. History, es-tu prêt? Oui. Ouais, très bien. Je suis prêt. Bon, tu me dis oui, ça suffisait. Et Ficani, tu es prêt? Tout à fait. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite par un sésame. Et aujourd'hui, il faut trouver un 10 lettres au bout des 30 secondes. Bon courage, messieurs. Attends, c'est-à-dire que là, on va avoir 10 lettres et au bout des 30 secondes, il faut trouver un mot avec le maximum de lettres, ça? Voilà. Trouver le 10 lettres. Ok, d'accord. Alors, voici le tirage. R A C T U T D E R U. Bon courage. Alors. Et c'est parti. 30 secondes. Ah oui, il faut se mettre devant le buzzer. Hein. Ah, History, là. History. Traducteur. Bonne réponse. Comment? Mais attends, mais c'est quoi ce mot? Je connais pas ce mot. Traducteur est une bonne réponse. Donc tu... Un traducteur, c'est pas moi. Un traducteur. Déjà, ça, c'est... Oui, un traducteur. Ah, traducteur, d'accord. Je crois que tu avais dit adducteur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce mot? D'accord. Ah bon, je vais peut-être mal prononcer. Attends, je vais mettre le micro en face de la bouche. Adducteur. Non, traducteur, je connais. Bon, moi, j'ai compris. Donc, History, tu gagnes le sésame que tu as déjà utilisé au fur et à mesure des jeux. Ouais. Bon, c'est juste une mise en jambe, Ficani. Oui. Là, ça va être un petit peu plus corsé, puisqu'on va tout de suite faire la première manche qui est le mot le plus long et le compte est bon. Je vais me mettre tout de suite à ma place. On va tout de suite commencer par les lettres avec donc History, consonne ou voyelle. C'est parti. Consonne. T. Je vais dire voyelle. O. Consonne. Z. Voyelle. E. Consonne. S. Voyelle. A. Consonne. P. Ah, pardon, voyelle. O. Et on va finir avec une consonne. Il reste encore une lettre, mais c'est pas grave. Le C. Et enfin, Ficani. Voyelle. Et le E. Thank you.
History. 8 lettres. Ficani. Ouais, j'ai fait 5 lettres. Très bien. History. Papoté. ES à la fin. Très bien, parfait. As-tu un autre mot? Non. Non? Non. Bon, bah écoute, ça te fait 8 points et il n'y avait que juste deux mots de 8 lettres. Il y avait coopté. Ok. Voilà. D'accord, d'accord. Tout de suite, les chiffres 4, 59, 100, 10, 8 pour trouver 963. Alors, Ficani, qu'en viens-tu? Alors, du coup... tu me dis combien tu as? 950, très bien, History. Je sais pas, ça, le compte est bon. Vas-y. Alors, 100 fois 10, 1000. 1000 moins 50, 950. 9 plus 4, 13. 950 plus 13, 963. Parfait, rien à dire. Bravo, donc ça te fait 10 points supplémentaires. 18 pour History. Pour le moment, c'est le vide pour Ficani. Tiens, j'ai bien joué. Pour Ficani, c'est le ventre. Mais la partie n'est pas terminée encore. Tout de suite, un coup de lettre. C'est à toi, donc, Ficani, de commencer. Voyelle. I. Consonne. T. Consonne. N. Voyelle. U. Voyelle. A. Consonne. C. Voyelle. E. Consonne. L. Consonne. R. Voyelle. Et enfin, le E. Ficani. Oh punaise, c'est pas vrai. 6 lettres. 6. History. Je crois que j'ai un 10 lettres. Ah bien joué. Oh la vache. Quel est ton 10 lettres? Reculer. A-U-N-T. Alors là, bravo. Est-ce que tu en as un autre? Ça m'étonnerait. Non. Non, non, j'en ai pas. Bon bah. On va tout de suite passer au, au compte est bon, tout simplement. 6, 1, 9, 25, 100 et 5, afin de trouver 792.
Figani, c'est à toi. Non mais arrêtez. J'ai pas eu le temps. J'ai eu quoi? J'ai eu... Attendez, parce qu'il faut que je arrive à calculer ce que j'avais prévu. Oui, ça. 820. 825. D'accord, history. Le compte est bon. Le compte est bon. Ah, bien joué. J'en ai entendu un perroquet. Oui. Alors, vas-y. Alors, je sais pas dans quoi je suis parti, mais bon, je vais essayer. 3 moins 1, 2. 6 fois 2, 12. 100 moins 12, 88. Et 88 fois 9, 792. On peut rien faire contre lui. Ouais, c'était fort. Voilà, je ne sais pas comment il fait pour avoir un QI estimé. Un QI de mathématiques comme ça. Et en plus, t'es pas des mathématiques, Isori. On est d'accord. C'est vrai, mais bon, il y a une application qui s'appelle Déchiffrer des lettres, qui est super bien faite, que je te conseille d'aller voir. Donc... Non, mais t'inquiète pas, j'ai les deux. Il n'y a pas de souci à faire. Bon, bah du coup, ça fait 10 points supplémentaires pour History. Je ne dis rien pour Ficali. Hein. S'il te plaît. Il fait sa vie, tranquille. Exactement. Et ça me convient très bien. Oui. Et donc, c'est à History de commencer avec les lettres. Et une voyelle. Et on commence par une voyelle qui est le I. Une autre voyelle. Une autre voyelle, le E. Et une autre voyelle. Oh la vache. Ah. Une autre voyelle. E. On va pas faire un mot avec que des voyelles. Consonne. Hein. Merci. F. Voyelle. I. Consonne. D. Consonne. J. Super. Voyelle. O. Et consonne. Waouh, et le R. Bon courage. Merci. Ah, d'accord. History. 8 lettres. Ficani. J'ai rien trouvé. En 3 lettres. Ah. History. Edifira. Là, oui, là, après quelques mois d'absence, là, tu pompes l'essence, là. J'aurais mieux fait de rester absent, hein, parce qu'il m'énerve un peu. il énerve tout le monde de toute façon. Bon. 3 lettres. C'est improbable. Alors, on va voir avec ce nouveau coup de chiffre. C'est parti. Allez, l'honneur est sauf. 6, 7, 17, 8, 25, 50 et 4 afin de trouver. 934. On fait que des gros chiffres là pour le moment. Terminé, History. Oh, c'est pas vrai. 933. Ficani. J'ai rien trouvé. Allez, on... Ouais. 7 plus 6, 13. 50 moins 13, 37. 37 fois 25, 925. 925 plus 8, 933. Ok, bien joué. D'accord.
Ben, tu ne marques que 7 points puisqu'il y était. Alors, il fallait faire donc 6 plus 7, 13. 13 fois 4, 52. 25 moins 8, 17. 52 fois 17, 884. Et il nous restait le 50 à ajouter, qui nous faisait 934. D'accord. J'espère que tu as au moins gagné quelques points de ce Vas-y, nouveau coup vas-y. de lettres. Je le tente, allez. Je ne devais nul Allez, à fond. ben. Ben c'est à toi du coup de commencer, Ficani. Et bien, je vais dire une consonne. Le M. Poursuis avec une voyelle. Le A. Ah, ma meilleure. Ficani. Une consonne. X. Voyelle. Le I. Tiens, vous Oui, allez m'écrire un mot là. une consonne. Le M. Ah non, le S. Je suis déçu. Non, rip. Consonne. L. Voyelle. E. Consonne. M. Consonne. L. Et voyelle. Et enfin, le I, on a fait tomber quelque chose. C'est parti. C'est à History de me dire combien de lettres il y a. Je vérifie juste, mais je crois que j'en ai un 9. Allez hop, je laisse tomber. Allez, Oui. History. Je sais pas ça. Millésima. Est-ce que tu en aurais un autre? Non, t'es sûr? Ah, sûr. Bon, eh bien parce que c'était le seul. Encore une fois, Bah voilà. Il me saoule, mais gravement. Je crois que je vais Il peut-être va. interdire les mots conjugués. Bien Il va dit. me slash. Il va me slash kill. Millésima. Ouais. Parce que je crois quand même, c'est un record là. 68 pour toi. Voilà. Parce qu'en Donc, fait, évite le de parler. Millésima, c'est un spécialiste historique de la vente des vins. Donc, normal. Mais. Alors, merci History, merci Fikani, je voulais pas le dire, mais bon, tu l'as dit. T'inquiète pas. Et voilà. Du coup, il me semble que c'est l'avant-dernier coup de chiffre. Ok. On est parti. 75, 8, 7, 2, 10, 10 pour trouver 976. Que des gros chiffres, j'ai l'impression. Hein. Beaucoup trop. C'est à Ficani de me dire. 957. 957, c'est History, il a compté, bon. Comment t'as deviné? Je sais pas, comme ça, l'instinct. Allez, vas-y. 75 plus 7, 82. 10 plus 2, 12. 82 fois 12, 984. Et 984 moins 8, 976. Oh là là, incroyable, mais incroyable celui-là. Ah, bientôt prof mathématiques, hein, History. Waouh. Juste pour le jeu, juste pour le jeu, parce que. Non, t'inquiète pas. Tu sais quoi, Ficani, je vais te rassurer. Les trois autres candidats sont partis en pleurant. Voilà. Juste comme ça. Bon. Encore 10 points supplémentaires.
Allez, plus que deux coups. Ficani, je vais pas, je ne vais pas te De mettre décevoir, la mais tu as le pression, moins hein, mais. tu as le moins de points, c'est à toi de commencer, mais je dirais pas combien. Bah, on est, je pense, sur un autour de 60, hein, un truc comme ça. Oui, 60 Bah, à du coup, 78. ouais, voilà, consonne. Allez, le S. Voyelle. E. Voyelle. E. Consonne. T. Voyelle. Consonne. S. Voyelle. Je sais que ça. Consonne. L. Consonne. M. Consonne. Sorry. Et pour terminer, super, le cul. Très bien. Voilà. C'est à Ficani de me dire. Déjà, Oui, ça passe très vite ces 30 secondes. même pas ça passe vite. Quoi, j'ai quatre lettres là. 4. History. 8 lettres. Allez. Allez, vas-y. Avec le métèque. Mais tech. Oui, non, mais ça va. Je sais l'écrire, monsieur. Mais on sait Ça va pas à jamais. vous, hein. Je sais l'écrire. Très bien. Est-ce que tu en aurais un autre? Oui, muselé. Encore 10 points dans la figure pour Ficani. Alors bien. Alors, il y avait 3 mots d'huit lettres et il restait muselé. Le dernier coup de chiffre et les duels vont servir à rien du tout, hein, mais on va le faire quand même. C'est le jeu. Et c'est la règle. Allez, voici le dernier coup de chiffre, malheureusement. 50, 3, 3, 10, 5, 9 pour trouver 385. On est redescendu. Oui, juste pour Tant la mieux, fin. tant mieux, tant mieux. Ça ne me dérange pas du tout. History. À votre avis, on va le dire tous ensemble, les enfants. Attention, 1, 2, 3, 2, 0. c'est bon! Le compte est non. Dommage. Et du coup, Picani, non. Je vais rien dire, moi, de mon côté, si je me permets. Voilà. Qui se taise Allez, jamais. history. 50 plus 5, 55, 10 moins 3, 7. Et 55 fois 7, 385. Voilà. Si vraiment c'est impossible de me battre, on mettra d'autres candidats à ma place. Non. Ça va les filles? Oh. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Mais pour que Lolo puisse faire des émissions, des chiffres et des lettres, ce serait peut-être pratique. Moi aussi, il faudrait peut-être Oh que tu non, ben prennes. non, mais t'es très bien comme ça. Parce que je crois que ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est rare, même dans l'émission originale, d'avoir 98 à 0. Picani, Oui. je croise les doigts que tu marques au moins 40 points. Oh merci. Oui, mais ça, il faut voir avec les duels. Allez, c'est parti pour les duels. Donc, 4 duels, 10 points par duel si vous trouvez le duel. 30 secondes. Il me pète le plateau, c'est génial. J'ai tout remis.
Alors, on va tout de suite commencer par un l'un dans l'autre. Alors, le l'un dans l'autre, 10 lettres. Il faut trouver un mot de 10 lettres et un autre mot qui correspond à une autre définition. La première définition, comprendre sous une même idée. La deuxième définition, couper dans le sens de la longueur. Avec ces deux définitions, il faut me trouver un mot de 10 lettres et un autre mot qui correspond à l'autre définition. Ok. Vous avez donc le tirage REISTIEFND. C'est parti. Comprendre sous une même idée, couper dans le sens de la longueur. Et silencieux d'un coup. Non. Bah, Je crois en c'est trop avoir tard. un, mais pas sûr. Alors, attends, on va voir avec Ficani. Non, je pense que c'était pas 10 lettres, malheureusement. J'avais redéfini, conjugué comme ça, et c'était pas Non. 10 lettres. J'ai fait une bêtise. Non, c'est non, non, non. De toute façon, il n'y a pas machin. History, qu'est-ce que Le tu voulais 10 dire? lettres, je l'aurais pensé à identifier, mais pas sûr. En effet, c'est bien ça. Et fendre. Pour couper dans le sens de la longueur. Ok, d'accord. On fendre une Et bûche de bois. fendre, ouais, ok. Voilà, identifier et fendre. Bon, c'était très silencieux d'un seul coup. History s'est reposée. Tout de suite, bon, History va même se réveiller puisqu'il s'agit d'un sprint de chiffres. Comme pour la première manche, 6 plaques. Trouver un chiffre. Et sauf que là, interdit à la calculette. Oui, Allez, c'est à parti. trop. Voici, voilà. Mais moi, je suis pas encore Voici donc éliminé. à la fin des duels. Ah, ok. Voici les chiffres. 9, 6, 1, 8, 4, 75 pour trouver 480. Mais je dois C'est participer moi aussi parti. ou pas? J'ai pas trop. Ah oui, tu participes. Pour trouver 475. 480. Ah oui, donc la parole à la calculatrice, d'accord. Non, ouais, non. Un petit tranquille. Du coup, je me suis rappelé qu'il y avait un problème peut-être. Oui. Oh. Oh, history. Alors, 75 plus 9, 84. 84 moins 4, 80. 80 fois 6, 480. Bravo. C'est juste. Félicitations, ça nous fait 10 points supplémentaires. J'ai même plus aller à plus de 107. L'application a bugué parce qu'il n'aime pas History. Parce qu'il gagne trop de points. Dans ce cas, il est qualifié. Allez, c'est parti pour un thème. Alors le thème, c'est tout simple, une définition à trouver en deux mots. Deux mots. Et deux mots Ok. corré. Oui, en deux mots. Oui, on a bien compris. Au Euh, revoir. oui, non, c'est pour Ficani qui ne connaît pas le Oui, thème. là. Bah, il est en train de Excuse-moi de te taper. déranger, laisse-moi écouter cette question. Non, Stéphane. Non, je te dérange pas, t'es en train de taper dans ton pupitre. il casse le matériel. Alors, le thème, il s'agit un jeu et son présentateur. Ficani, je pense que tu devrais Bordel. l'avoir. Voici le tirage. E. M I L B N C N I E. Alors, je suis censé l'avoir, hein. C'est parti. Un jeu et son présentateur. Pas besoin Donc il y d'un a gilet. un jeu et son vendeur. D'accord. Oui, voilà. Oui, non, d'accord, j'ai le présentateur, Rodrigo. Ah mais oui! Sûr, Oh. mais bon, je Oh. sais. Punaise, j'avais pas le jeu! History. Dire mine pour Olivier Mine et la cible. Eh oui, en effet, c'est bien ça. T'avais mine, Ficani? Oui, j'avais le mine, mais j'avais pas le reste parce que je me Ah. suis dit que ça allait être un quiz. Alors.
Alors oui, Olivier Mine a donc présenté la cible depuis 2003 jusqu'en 2006 et puis qui a été remplacée par Marie-Ange Nardi jusqu'en 2007. Bon, eh bien, ça nous fait 10 points supplémentaires pour History. Allez, j'espère un petit 10 points pour le dernier. Il s'agit d'un 3 en 1. Je suis vraiment mauvais après. Faut pas m'inviter moi, tes questions. Le principe du 3 en 1. Toutes les 10 secondes, vous allez avoir une lettre qui va apparaître. Et donc le nombre de lettres qui correspond au thème. Ok. Ah, c'est le truc. Normalement, le thème doit être assez simple, même avec la première lettre. Il y en a 7 au monde. Hop. Attends. Voilà. Vas-y, non, ça c'est merveille. Bon. Merveille. Oui, 10 points. Il a sauvé l'honneur. Il part pas c'est sans bon. Rien. J'ai pas. J'ai pas. Avec un petit smartphone. Ah, c'est incroyable. Et maintenant, on écoute Lolo pour nous citer les 7 merveilles du monde. Allez, on alors, écoute. Oui. Alors, les 7 merveilles du monde. Alors, il y a la pyramide de Khéops qui se trouve à Gizeh. Prononciation, c'est à vous de vous guiser, voilà. Il y a les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis, le tombeau de Mausolée, le colosse de Rhodes et enfin le phare d'Alexandrie. Ah ! Voilà ! Bon ! Bravo ! C'est bien. Ça nous fait les affaires et ça nous fait un mini résumé de 118 à 10. Non, mais j'ai dit bon, je suis content, c'est bon, hein. Je peux mourir tranquille. Oui, là tu peux mourir tranquille. Bon, mais du coup, History, ça nous fait une 4e victoire. On s'attendait pas trop, History. T'as eu un petit peu peur au tout début de l'émission. Mince. Ouais. En plus, ouais, tu peux mettre le suspense dans le titre. Hein. Tu peux mettre Fikani, 0 points, ou va-t-il en avoir jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. du coup... Bon, History, une 4e finale avec le sésame, en n'oubliant pas de le jouer, évidemment. On se retrouve dans quelques instants pour les mots de la fin. A tout de suite. Bien, History. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être là, encore une fois? Ça fait un peu peur parce que d'habitude j'ai rien trouvé pendant les toutes premières donc. Ah oui, mais juste au moment où il y avait la liste à thème qui est donc apparue au dernier épisode, donc tu peux choisir la liste à thème ou la liste à classique. Et aujourd'hui, pour cette finale, on est en pleine saison, l'automne. Alors, liste à thème ou liste classique? Liste à thème. Je vais pour liste l'instant rester sur le thème. C'est très bien. Alors, tu as compris que la liste à thème, ça vaut moins 50 euros par mot trouvé, puisque c'est un peu plus simple. D'accord. Ok, super. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la règle des mots de la fin, 8 mots de 7 à 10 lettres, 2 minutes pour trouver. Attention, le timer commence dans 3, 2, 1. C'est parti, voici le mot de 7 lettres. Toujours dans le thème de l'automne. L'automne qui ressemble plus à, je sais pas, des mots spéciaux, à Warcraft. Alors bien sûr, tu peux passer. Oui, bien sûr. Faut quand même réfléchir. C'est un combien déjà? Oui. Punaise. C'est un 7 lettres. 7 lettres. Le orange. Bonne réponse. Attends, je me suis trompé. De liste, c'est celui-là. Merci, eh ben, tu me rajouteras du temps, parce que là, sinon, oui, je vais aller porter dans ta direction, qui est moi. J'ai 5 secondes. Alors ça, c'est un mot de 8 lettres. Passe. Pas du tout. 9 lettres.
besoin de me l'envoyer deux fois. Oui, j'ai eu le temps de me planter. 9 lettres. Oh là 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 là, elle est plus compliquée que la dernière fois cette liste. Châtaigne. Bonne réponse, 10 lettres. Sésame. Citrouille. 7 lettres. C'était 5, fini. 4, 3, 2, 1. Là c'est fini. Je t'ai rajouté un petit peu plus de temps. Bon, bah, ça nous fait que 150 euros. Voilà. C'est tout. Alors, le pro. Eh bah oui. Alors, le premier 8 lettres, il s'agissait d'un escargot. Et le 7 lettres que tu viens de voir, il s'agit d'une feuille. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Bon. Tout simple. Il coûte que 150 euros. Donc, ça nous fait un total de 700 euros tout pile. Ça a été très moyen là pour ces mots de la fin. C'est vrai. Tu étais bien dans l'automne, hein, on est d'accord. Oui. Ah, c'est un petit oui. Bon, bah écoute, on se verra pour la prochaine fois, pour la 5e victoire. En espérant que là, cette fois-ci, tu nous fais pas un record de malade comme tu l'as fait aujourd'hui. Et donc, après cette 5e victoire, il y aura un choix que tu devras faire. Ça, on verra, on n'y est pas encore. Bon, eh bien, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission en compagnie de History et de Fikeni qui nous a malheureusement quittés il y a quelques instants. Merci à tous d'avoir suivi cette 4e émission des chiffres et des lettres. On se retrouve peut-être pour l'année prochaine ou pour peut-être la fin de l'année pour un nouvel épisode des chiffres et des lettres en compagnie de History. Merci à tous, à très vite, à très bientôt. Salut les bonnes vacances. Salut.